J'ai pas pu me retenir. Je l'ai ouvert. Ce truc là, c'est le feu. Sincèrement, c'est le feu. Ce petit setup là, pour moi, j'adore. Non, faut que j'arrête. Faut que j'arrête, mais ça rend super bien. Par contre, sérieux, je suis deck pour un truc. Tu vois, boulet que je suis, j'ai mis un AQ à l'intérieur. D'accord ? J'ai fait 5 clics pour l'éteindre. Sauf qu'en fait, paramètre de base, il la lock à 80 watts. Sans, ça sent le brûler, c'est horrible. Donc, bah... Merde. D'accord ? Merde. Du coup, vu que là, tu dois vaper entre 5 et 20 watts, on va peut-être éviter de la foutre. Donc, vu que en diamètre, elle est un peu plus grande que la Pico, je vais essayer de voir si je peux pas mettre un atto directement à moi dessus. Un truc pas trop gourmand, et puis on va voir si ça peut passer dessus. Non mais, regarde John. Regarde comment le coloris, il est dégueulasse. Hein. Alors, on n'est pas sur le truc de la Pico. Donc tu vois, 3 clics, on rentre sur le menu, le setting, les thèmes. Mais je crois que sur leur site, je peux mettre beaucoup plus de thèmes. Je crois bien. Ça a l'air de bien marcher, hein. Ouais, il me compte ma batterie en même temps. Ah ouais. Bon, du coup, voilà, grosso modo, après la Vape Expo, je vous ferai pas mal de petites revues sur les Vaptio et sur les liquides que j'ai reçus, que je vais tester là immédiatement. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Il y a un nouveau plan qui a été mis en place, dites-moi si vous l'aimez ou pas. Et puis, bon, on se retrouve très prochainement sur une vidéo de la Vape Expo. Allez, ciao!